Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. Vous le connaissez, c'est votre confrère, justement. Pour avoir dénoncé certaines choses. Il a été journaliste, il a dénoncé son travail. Maintenant, il est aux affaires, c'est normal, c'est différent. Peut-être qu'il est de bonne foi pour faire des choses, mais les moyens ne suivent pas. Parce qu'il ne faut pas, aujourd'hui, oublier que dans notre pays, les sports, c'est un secteur urgentiste, nous avons la guerre, nous avons beaucoup de choses. Alors, quand vous allez poser le problème, ça doit se planifier. Posez le problème une année avant, on peut vous trouver les moyens. Quand vous le posez à une semaine, vous allez non seulement le condamner, lui, vous allez condamner le gouvernement et condamner votre mauvaise participation. Singapour, nous, on ne dit pas que Singapour était à la base de ça. Nous, nous disons que c'est des trucs qui se préparent. Singapour, on a que 8 mois à la tête du ministère des Sports. Il ne faut pas tout lui demander. Ce n'est pas lui qui a commencé avec. Il y avait les singes, il y avait tous ces gens. Je n'avais pas fini. Mais c'est pas, il ne faut pas influencer le président. Peut-être qu'il a besoin de nommer un autre ministre des Sports. Dans le prochain gouvernement, tu dis non. Singapour, parce qu'il y a Salibo. C'est peut-être pas là, tu sais. Mais en fait, moi, j'avais proposé une solution. Des études, là, je suis bien. Ah, bonne chance, bonne chance. Et si on me consulte, je suis bien dispo. Moi, je n'ai pas encore. Il va aller jusqu'au bout de ces études. Je voulais quand même envoyer de l'énergie positive à ces disciplines qui se démarquent. Okay. Il y a le handball, notamment, il y a le bon nouvel de ce côté-là. Il y a le volley-ball également. Il y a la boxe. J'ai vu les résultats, tout ce qu'elle fait pour les quarts de finale. À 3 combats, 3 victoires, dont 2 par KO. Là, c'est vraiment à saluer. Dans l'ensemble, on va se dire que c'est vraiment déplorable. Parce que la RDC, c'est quand même 100 millions d'habitants, c'est des ressources très rares à travers le continent. Et que sur 100 millions d'habitants, on n'a même que 152 athlètes, alors que l'Égypte, un pays par exemple, qui n'est pas aussi peuplé que la RDC, en amène plus de 1000. Et au classement, pour le moment, tout logiquement, c'est plus de 100 médailles, c'est la première nation et tout. Mais que vous voyez de nations, je veux citer par exemple la Gambie, la Guinée, voilà, être devant la République démocratique du Congo, peut-être qu'on a peur de réfléchir, de se poser les bonnes questions, mais il y a moyen de s'asseoir et de se demander est-ce que c'est vraiment normal. Quand je regarde le classement, je regardais le classement aujourd'hui, je vais vous dire, il y a sur la page. Sur la page Facebook en fait, de l'organisation, il y avait deux pages. Genre, vous passez une page et puis il faut passer pour voir la suite. Vous allez passer la première page. Et en bas là-bas, on a vu la 28e position ex aequo avec le Congo Brazzaville. Mais c'est là qu'on t'attend au tournant. Fais ta part. J'explique. Vous descendez d'abord au Dindi, Liboulou.
vous descendez, vous arrivez jusqu'à la fin, 8e position, et puis il y a 4 médailles en bronze. Donc or 0, argent 0, et puis bronze 4. Depuis qu'on est à 4 médailles, vous disiez le fait que les disciplines qui se sont distinguées, ce sont celles qui ont l'habitude de bien se préparer à l'avance. Je prends le cas du volleyball. Le volleyball. À chaque fois qu'il y a une compétition internationale à venir, vous sentez que c'est la fédération qui s'implique et qui fait en sorte que l'équipe commence à se préparer, même en attendant que le moyen soit débloqué. Ça se fait très souvent. Et même pour cette fois-ci, je vous rappelle que l'équipe s'entraînait ici, au Shark Club de Kinshasa, avec notamment le coach Thomas Moukidi, qu'on a eu à plusieurs reprises ici, pour l'épreuve digitale pour vous. Et là, on a senti qu'il y avait cette envie-là déjà, qu'une fois le gouvernement met le moyen pour cette participation-là, on fasse quelque chose. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas avec notre discipline. Je peux aussi citer le cas du handball. C'est cette fédération qui, depuis un certain moment aussi, fournit beaucoup de fort. On a vu la dernière CAN en Égypte où on a remporté plusieurs matchs. On a battu la Zambie, on a battu le Rwanda. Ça particulièrement, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et vous voyez que, malheureusement, pour d'autres disciplines telles que l'athlétisme, il y a cette volonté aussi de se préparer. Mais on sent qu'on est limité quelque part. Pourquoi pas aujourd'hui collaborer avec des pays tels que le Kenya, pour que de temps en temps, on envoie des athlètes là-bas pour des stages professionnels, parce qu'on sait comment est-ce que ces pays se comportent en matière d'athlétisme, pour que, si la compétition commence, quand même qu'on arrive à gagner quelques médailles. On a vu ce que l'athlétisme nous a produit ici, pendant les Jeux de la Francophonie. Et vous voulez que, dans ces Jeux d'Accra, l'athlétisme puisse nous ramener des médailles? Ce n'est pas possible. Et là, regarde, je voudrais vous apaiser pour dire simplement dans une compétition comme les Jeux africains, c'est pluridisciplinaire. C'est-à-dire, vous avez au moins tous les sports, presque une dizaine pour le cas de la République démocratique du Congo. Oui, le cas d'espèce, parce que nous sommes dans des critères, c'est-à-dire c'est l'émission d'analyse. Nous voulons les résultats dans l'ensemble. Dans l'ensemble, nous disons que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Tout à l'heure, là, Joseph a fait allusion à l'impressionnante délégation de l'Égypte, ce qui maximise même les chances pour ces pays, les pharaons, de gagner les médailles. Mais quand vous rentrez en République démocratique du Congo, nous revenons d'abord sur la préparation et la planification, parce que la compétition, en soi, c'est sur 4 ans. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? C'est la veille, un mois, une semaine, on crie sur le toit, ça ne va pas. Et quand vous voyez sur le plan administratif, vous avez d'abord la fédération des fédérations, c'est-à-dire le comité olympique, qui est censé présenter déjà un programme triennal. Il faut travailler sur 3 ans pour être efficace quand on va par exemple aux Jeux olympiques ou aux Jeux africains. Mais est-ce que le comité olympique au jour d'aujourd'hui peut nous présenter son plan triennal pour ces Jeux africains? Et nous, dans la presse de ce côté-là, on devrait suivre derrière ces programmes pour mettre la pression sur le gouvernement, parce que chez nous, généralement, ça marche comme ça. Nous avons lui-même l'avènement des salles. On n'a même pas pu disponibiliser les salles pour les 2 dernières semaines à ces athlètes-là. Mais que voulez-vous finalement? Au-delà des disciplines fort renommées, comme le football ou encore un peu le handball et le basket, mais les autres sont abandonnés à leur triste essai. Alors, ces disciplines ont besoin de subventions publiques, de terminer les subsides publics pour pouvoir bénéficier quand même de la préparation de la qualité. Mais tout ça, c'est arrivé à quel moment? Rendez-vous compte qu'en une année, au fait qu'en une année, on a à la fois les Jeux de la Francophonie, les Jeux africains, et d'ici les Jeux olympiques. Mais il n'y a pas de continuité. On ne conserve pas les acquis. Je pense que tout ce qui a été dit. On ne conserve pas les acquis. Jean-Pierre Alain, tout ce qui a été dit. On n'est plus pas là, la campagne. Les autorités nous suivent parce qu'il y a déjà les Jeux olympiques. Parce que le Jeux olympiques, on va pleurer. Nous voulons que les choses s'organisent dans les normes. Okay. Et les normes, ils ont. Autre chose qui commence à clocher, on a réalisé dans l'ensemble une très bonne CAN, 4e, chose que la RDC ne s'attendait peut-être pas. Mais il y a quelque chose qui cloche, il y a la journée FIFA qui pointe à l'horizon. Il fallait
pérenniser, consolider les acquis. Pour rester dans ça. Malheureusement, cette journée FIFA est presque passée à côté. Non, c'est déplorable. On ne peut pas s'imaginer qu'un pays qui a fini sur la 4e marche du podium, sur la 4e marche, puisse ne pas prendre part aux deux fenêtres de la FIFA. En termes de préparation, de maintien de compte, c'est inversé. Même les pays qui n'ont pas pu prendre part à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations sont en train de se jouer des matchs à l'écho. C'est quoi qui bloque à notre niveau? Si le gouvernement, parce qu'il ne faut pas prêter tout le monde sur le volant, dès qu'on aura fait la même moyen, c'est quoi cette histoire? On a réussi de l'argent à la Coupe d'Afrique des Nations. À peu près 2,5 millions. Cet argent est toujours dans les caisses. C'est quoi dans ces conditions? On explique ça comment? Parce qu'ici, on a toujours tendance à manière le gouvernement babouille. Mais ce n'est pas le gouvernement. L'économie, le comité de normalisation, vous avez normalisé quoi après la Coupe d'Afrique? Mais ce qui est regrettable est que vous avez fait quoi? On ne peut pas. On a perdu 4 places sur le plan mondial. On est 106e. On est 14e sur le plan africain. On a perdu 2 places. Ça veut dire que si vous ne jouez pas, vous allez continuer. Nous allons encore être ce qui est regrettable, c'est que dans quelques semaines, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont débuter, reprendre. Et là, c'est déjà un problème parce que je me souviens qu'avant la CAN, les Léopards avaient profité de toutes ces fenêtres là pour se préparer, pour se rendre en stage. On avait capitalisé ces Et c'était bien parce que l'entraîneur actuel de Léopard, de la RDC, quand à chaque fois qu'il y a un stage, il fait vraiment tourner son effectif et d'ailleurs il essaie un peu d'endormir ses prochains adversaires, la manière dont il joue avec son effectif. Mais malheureusement, pour cette fois-ci, on n'a pas saisi cette opportunité-là, c'est déplorable. Il faudrait qu'on puisse rectifier les tirs pour que prochainement, aux éliminateurs de la Coupe du Monde, qu'on fasse mieux. Moi, j'avais suivi Sabin Machine, c'est ça, sur une radio internationale, on va dire. Alors, comment il justifie cela? C'est une période charnière où le pays s'attend à un nouveau gouvernement. Le circuit financier n'est pas favorable pour l'instant pour réunir les moyens, tout ça. Mais écoutez, on marque les pas, on fait des émissions ici, on parle, c'est beau, c'est bien. Mais ça ne change rien en fait. Donc la fédération, avec les 2 500 000, je ne suis pas rentré dans le compte de la FEDOFA pour voir si l'argent a effectivement été déposé. Au nom de la continuité, comment on appelle ça, la continuité des affaires, la gestion des affaires de l'État, c'est pas sérieux au fait. Et qu'on vienne déballer ça, à la suite de tout le monde, que tout le monde sache que non, la RDC n'a pas organisé ceci parce que le gouvernement, tout ça, ça traduit un manque de sérieux et à un niveau, et par ricochet, je voulais dire, ça traduit un manque de sérieux dans la gestion de la chose publique de la République démocratique du Congo, si vous voulez. Joseph, nous sommes en train de montrer et de démontrer dans nos analyses que l'administration du sport, ni la gestion, ne se passe pas dans les normes. Écoutez, pour qu'il y ait respect de tous ces programmes-là, la réponse est le financement. Nous sommes en train de démontrer ici que quelque part, il y a quelque chose qui manque, notamment la réglementation à la matière. Vous imaginez une fois toutes les entreprises qui opèrent en République démocratique du Congo sur l'étendue du territoire national étaient obligées d'apporter leur aide à l'encadrement de la jeunesse et au développement du sport. Imaginez, l'État ne va pas souffrir tel qu'il souffre aujourd'hui. C'est pourquoi nous, on n'aura pas pitié de lui, parce que c'est lui-même qui bloque. Quand on dit, écoute, gouvernement congolais, quand on dit législateur congolais, produisez-nous des lois. De telle sorte que ça soit une obligation, une contrainte pour toutes ces entreprises-là. Dans le cadre du sponsoring, je crois que là où l'État devrait financer à 100%, la charge sera réduite à 40% et le reste peut venir des sponsors. Mais en l'absence de ce cadre-là, que voulez-vous? Nous devons nous exprimer pour qu'on arrive à saisir et à comprendre. Je vous cite un cas, quand vous parlez des sociétés, en fait, ces entreprises paient déjà beaucoup d'argent en termes de taxes. Après, il faut savoir comment ces taxes sont gérées par le gestionnaire de la chose publique. Je vais vous citer un cas, par exemple. Il y a une société, une des plus grandes dans l'exploitation de l'or dans le monde, qui opère dans l'ex-province orientale, c'est ça. Mais il n'y a pas une grande équipe pour le moment. La France, c'est la loi.
est content, il y a des obligations sociétales, donc, voilà, des entreprises, quelles soient les la loi. À propos de la loi, il est clair que si le budget tient en compte en fait, le sport, ça ne peut pas être quelque chose où à chaque fois on doit revenir au gouvernement. On sait qu'il y a des fonds qui sont déjà alloués. À chaque fois que le besoin se présente, on ne fait que dépenser. Moi, je trouve aussi anormal qu'à chaque fois qu'il y a une compétition ou quelque chose, un stage, tout ça, on doit aller voir le gouvernement et tout ça. On revient au début de la procédure et tout ça. Pour moi, ça paraît un peu anormal. Et puis, la FECOFA ne doit pas se présenter comme porte-parole du gouvernement pour venir nous présenter, nous expliquer Mais je ne pense pas que le temps de parole vraiment. Mais imaginez que la phrase finale de la CAN était en ce moment. Il a cité un terme clé, il a parlé de l'improvisation. Oui. C'est-à-dire, il y a une compétition, mais on n'est pas prêt, on fait comment? On n'a pas d'argent, venez, on se réunit, on fait une réunion, on y va. L'essentiel, c'est de participer à toutes les fois. C'est pas défini. Allez, on va terminer par là. Un mot, je vais donner peut-être la parole à deux personnes. Il y a eu tirage au sort de la Ligue des Champions, la Confédération africaine de football. Mademoiselle Petro. Oui, l'un du haut de Bourgogne. Petro qui avait éliminé 20 clubs cette saison, ça sera encore. Oui, 20 clubs ne ressemblent pas à Mademoiselle. Ça ne ressemble pas. Je pense que Petro connaît jusque-là une saison formidable. Mais c'est une équipe qui n'est pas du tout contente de retrouver le tout puissant Mazembe. Je vais quand même donner aussi la parole à Gad. Je crois avoir anticipé un peu sur les cas Petro. Mazembe, ça fait les deux derniers matchs que Mazembe a joué contre Petro. C'était des victoires à faveur de Mazembe. Mais maintenant, il faut comprendre que on a comme impression que Mazembe est au niveau de son attaque, alors que Petro a une très belle défense. Donc il faut ce match-là, il y aura deux journées que Mazembe va aborder au niveau du championnat national. Donc, il faudrait travailler sur l'attaque pour arriver à inquiéter la défense. Les belles retrouvailles, notamment les Bobo Ungenda, les Riti Tulenge, sont allés tenter leur chance à l'Angola. Merci Alain Salou, merci Gad Moukiakou, Jean-Pierre ainsi que Joseph Bahati. Merci également aux amis qui nous permettent d'arriver chez vous ainsi que vous. Qui nous suivez à la radio, bonne suite des programmes sur votre télévision. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.